Idan ? Quoi ? Tout paraît calme là-bas, pas un bruit. Vous avez eu du nouveau ici ? Ah non, rien du tout. Ah, tu sais, Idan trouve qu'on devrait accéder à leur demande. Oui, c'est vrai, Kate. Vous croyez que ça plairait à Cruz ? Et peu importe. C'est ce que veulent les parents des enfants, car Kathleen a déjà tué une personne. Alors nous n'avons qu'à la laisser partir et ainsi nous sauverons la vie de ses enfants et celle de Cruz. Mais si jamais on la laisse partir, elle continuera à tuer Idan. Ça, je n'en ai rien à faire. Tant qu'elle laisse la vie sauve à Cruz, c'est la seule chose qui compte pour moi. Enfin, Idan, écoute-moi. Cette femme est tout sauf stupide. Nous l'avons déjà constaté toutes les deux. Et elle... Enfin, je suis sûre qu'elle n'ira pas dans cet hélicoptère toute seule. Elle sait pertinemment que ce serait bien trop risqué pour elle. Et si on lui donne une voiture, comme elle le demande? Elle finira sûrement par tuer les enfants. Ou alors elle forcera Cruz à monter dans l'hélicoptère. Et puis quand elle sera arrivée à destination, elle tuera le pilote. Et si ça se trouve, elle tuera Cruz aussi. Ou alors elle le confiera à ses comparses. Et si jamais ils mettent la main sur lui, ils le tortureront, Idan. Ils lui feront dire tout ce qu'ils auront besoin de savoir et ils le tueront. Oh non, arrête, Andrea. J'en ai assez de t'entendre dire ça. J'en ai assez, bien, Idan, je suis vraiment désolée, mais il faut que tu regardes la vérité en face. Il n'y a pas d'autre moyen. Je voudrais que ça se passe autrement, mais c'est impossible. Idan, il faut absolument que tu nous fasses confiance dans cette histoire. Nous allons capturer Kathleen et ainsi nous l'empêcherons de tuer Cruz et les enfants. Et comment est-ce que vous allez vous y prendre? Eh bien là, elle est convaincue que nous allons accepter de faire ce qu'elle demande et il est important qu'elle puisse continuer à croire qu'on va le faire. Oui, mais elle nous a donné un ultimatum et alors si nous dépassons leurs limites... Nous peut-être... ne dépasserons pas leurs limites. Nous allons laisser une voiture sur place afin qu'elle aille jusqu'à l'hélicoptère. Et alors là, il faudra bien qu'elle finisse par se montrer. Elle sera bien obligée d'aller de l'église à la voiture. Et à ce moment-là, elle sera extrêmement vulnérable. Et alors, nous lui tirerons dessus. Andrea, Kathleen va sortir de l'église entourée de Cruz et des enfants. Alors si jamais on essaie de lui tirer dessus, on risque forcément, c'est obligé, de tirer sur un innocent. On risque de provoquer une catastrophe. Qui courrait un tel risque? Qui va oser lui tirer dessus? Moi, je le ferai.